Eh bien, bonjour, chers amis. Aujourd'hui, recette de pâte aux crevettes avec délicieuse sauce Alfredo. Un vrai délice. Vous avez cueilli vos fleurs? Vous vous êtes lavé les mains? Vous êtes abonné? Ah! Vous n'êtes pas abonné? Ben, je vous invite à aller le faire tout de suite. Ça va vraiment m'aider dans la progression de ma chaîne. Je vous en remercie. Plus de temps à perdre! On commence tout de suite. Je vais récupérer un peu de bouillon de cuisson. Environ une demi-tasse. On s'en sert pour épaissir la sauce. Nos pâtes sont cuites. Et voilà. 61 grammes. Cette offre est acceptée. Une tasse de fromage parmesan. On va bien hacher notre ciboulette. Ça, hein? Maintenant, mettre notre persil. Ça. Hein? Toutes des belles petites fines herbes fraîches. C'est ça qui est bon. Maintenant, on va faire cuire nos délicieuses crevettes. On va mettre une cuillère à soupe de beurre, soit environ 15 grammes. C'est vrai. Tu vois, ici, on utilise des crevettes sauvages de l'Argentine. Vous allez dire, elle est cuite. Non, non, elle n'est pas cuite. Elle est de couleur rosée. Ça, c'est dû à son alimentation. Elle se nourrit d'une sorte de plancton qui lui donne cette teinte rosée, qui donne l'apparence d'être cuite ou pré-cuite, mais ce n'est pas le cas du tout. Ouais. On va faire dorer notre ail avant d'ajouter les crevettes. Je vais déposer mes crevettes. Je vais quand même bien les imprégner là, avec les gousses d'ail. Là. Ça. On voit la parmesanteuille elle aussi. Regardez-moi cette belle petite fleur. Ici, comme ça. Avec ça ici. Ça. Une pâte aux crevettes avec délicieuse sauce Alfredo. Le repas est servi. Bon appétit!